Et bonjour, je vais parler de Meghan Markle, la duchesse de Sussex. Comme vous le savez, sur cette chaîne, on parle de des rumeurs, bonnes ou mauvaises, au sujet du couple, afin d'apporter notre commentaire sur ce qui a été dit sur eux par la presse, les médias ou les trolls et les haters. Et la plupart du temps, nos commentaires sont assez modérés, hein, donc un peu plus juste, un peu se rapprocher un peu plus de la vérité. Aujourd'hui, je veux parler de Meghan Markle. Vous savez qu'il est annoncé que elle et son mari, le prince Harry, vont se rendre au Nigeria. Ça sera dans quelques jours, donc une ou deux semaines. Et la question que les gens se posent maintenant, c'est pourquoi est-ce que Meghan Markle a révélé qu'elle est en partie nigériane? Bon, déjà, il faut dire une chose, ce n'est pas dernièrement qu'elle a révélé ça, c'est il y a 2 ans. Donc, il y a 2 ans, lors d'un podcast, Meghan Markle a révélé qu'elle avait fait un test ADN et que il lui avait été révélé qu'elle avait 43% de sang nigérian, n'est-ce pas? Donc, ce n'est pas dernièrement qu'elle a fait, ce n'est pas dernièrement qu'elle en a parlé. Elle a dit que oui, elle souhaitait visiter justement le Nigeria et que ce serait une très bonne chose pour elle et pour sa maman. Maintenant, les trolls et les haters, non contents de ça, demandaient la preuve qu'elle est nigériane, mais sincèrement, ces gens sont fous. Ils demandent à Meghan Markle de prouver qu'elle est vraiment nigériane. L'audace de ces gens, c'est incroyable. Et ils disent aussi que Meghan Markle avait dit qu'elle était de Malte, vous savez, le petit pays Malte, qu'elle était de Malte et qu'elle avait des racines maltaises et que son arrière-grand-mère était maltaise. En fait, c'est faux. Meghan Markle n'a jamais dit ça. Vous savez que les trolls et les haters adorent déformer ce que Meghan Markle dit. Elle n'a jamais dit qu'elle était de Malte ou qu'elle était maltaise. Elle a juste dit que son arrière-grand-mère était née à Malte et que sa famille, qui venait d'Irlande, y avait vécu avant d'immigrer aux États-Unis. Donc, contrairement à ce qui a été dit dans les journaux, dans les commentaires de ces personnes hein, sur Internet, elle n'a jamais dit que son arrière-grand-mère était maltaise hein, ou de Malte. Hein. Elle a dit que son arrière-grand-mère était née à Malte et qu'elle y a vécu un certain temps avant que la famille ne déménage ou n'immigre aux États-Unis. Hein, parce qu'il faut dire que la famille de Markle n'était pas américaine à la base. Voilà, dites-moi ce que vous en pensez. J'espère que vous avez aimé la vidéo. N'hésitez pas à cliquer sur like si c'est le cas, à vous abonner pour plus de vidéos et à cliquer sur la petite cloche afin d'être averti lorsque je poste une nouvelle vidéo. Merci.